Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre un petit truc pour bien conserver vos croquettes. Elles n'ont l'air de rien, ces petites croquettes, mais un ennemi sournois les guette, un champignon. Oh, pas celui comme on trouve dans un tas, non, plus petit, microscopique. En fait, notre croquette, elle est entourée d'une fine couche de matière grasse. Nous, on ne peut pas le voir, ni le sentir, mais nos chats, eux, s'ils s'arrêtent de consommer vos croquettes du jour au lendemain, cela signifie sûrement que le champignon a fait son apparition. Le problème, il surgit principalement avec des grands paquets. Un paquet de 5, 6 kilos, les chats ne les mangent pas en un jour. Résultat, le champignon a largement le temps de se développer. Mais alors, comment s'en protéger ? Mettre un chien devant la porte pour l'empêcher de rentrer. Bien refermer le sachet. Malheureusement, les paquets de croquettes, même si on les serre très bien, on fait le videur, on les retourne dans le seau, ne sont pas imperméables. Résultat, le champignon peut quand même se développer. Le tupperware ? Ça peut fonctionner, pour autant que vous ayez des petits paquets, 2 kilos. Par contre, si vous avez des grands paquets de 5, 6 kilos, il va falloir le trouver, le tupperware ou les tupperware. C'est le célèbre tupperware de la mer morte. Écoutez. Pour ranger toutes vos croquettes. Est-ce qu'il y a une solution, hein ? Oui, heureusement, il y a une solution. Et la solution, c'est celle-ci. La machine à vide d'air. Mais c'est la même machine que pour congeler mes légumes. Oui. Il suffit de préparer le sachet avec la bonne contenance. Et voilà. Il ne reste plus qu'à noter dessus le pourcentage et votre paquet, il est prêt à être utilisé. Facile, ne prend pas beaucoup de place, est à l'abri maintenant du champignon. Il vous restera donc plus qu'à le récupérer, l'ouvrir, le verser dans la gamelle de votre chat et c'est prêt. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et j'espère vous revoir à bientôt. Au revoir.